qu'en 2019 on est encore bonjour? C'est ça la question. Est-ce qu'on est pas jour bon, tu vois? Jour bon. Jour bon à tous. Je suis avec Marine, Anaïs et Anne-Laure. Et c'est le nouvel an passé. Oui. On a fait notre bilan de 2018. Une belle année. On a dit que c'était une belle année. Ouais, on a dit que c'était une belle année. C'était sympa. On a vaguement évoqué les gilets jaunes, mais sinon tout va bien. Et qui continue coup, en 2019, heureusement. En 2019, du coup, la vie continue. Et c'est pas arrêté au nouvel an. En fait, je trouve ça très étrange qu'on fête une nouvelle année, puisqu'en vrai, rien s'arrête. Et ouais. Continue. Mais ça reste toujours le bon moyen de prendre des bonnes résolutions. Non, mais je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles, effectivement, j'arrive plus à fêter le nouvel an. En fait, je trouve ça très bizarre, du fait qu'on coupe notre vie tous les 365 jours. Alors qu'en fait, c'est juste le même jour qu'hier. Et pourquoi tu fêtes ton anniversaire? Ouais. C'est le même jour que... Ouais, mais... T'as le même âge qu'hier? Pour moi, le lendemain de mon anniversaire, ma vie, elle a pas changé, en fait, le lendemain de mon anniversaire. C'est une soirée comme une autre. Mais le nouvel an, t'as l'impression qu'il faut que tu redémarres. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que t'as l'impression que c'est imposé. Enfin, oui. C'est-à-dire que t'as une norme sociale. Exactement. Qui fait que, de toute façon, tout le monde doit le faire et que... Qu'est-ce qu'on en a à faire de changer d'année? Oui, mais je pense que ça, c'est important aussi. Moi, en tout cas, je... D'avoir des repères? Je suis partisane de me dire, ok, c'est un point dans l'année où tu dis, quoi qu'il puisse se passer, tu repars avec des bonnes ondes, ou t'essayes. Ça te donne un boost. C'est comme un petit boost, tu vois. Moi, je me suis dit, en 2018, je me suis fait un peu bouffer par le travail. Ben là, j'y retourne, et ça va pas être comme ça. Et du coup, t'as pris une résolution. Ça dure 3 jours, tu vois, mais... une vraie résolution. Le 2, tu te dis, putain, voilà, là, j'ai... En fait, ça te permet de faire un bilan. C'est un bilan, et c'est un truc de, peut-être, se... prendre un peu de recul sur ce que s'est passé et te dire bon bah là j'ai plus envie de faire ci, attention à ce que je bouffe. Il y a eu les fêtes, il y a eu la famille, il y a eu les abus, les machins. C'est vrai que t'as envie de repartir sur des bonnes bases. Tout à fait. Te dire ça une nouvelle année, je vais faire attention, on va essayer de... Et c'est un truc plutôt positif pour moi. Où le 2, t'es un peu en mode ça repart à zéro. Moi, et ça surtout j'étais malade. Ouais, souvent. Non, mais t'as pas pris 12 jours donc bon après si on. Moi aussi je suis revenue au boulot le 2, le 3 j'étais malade. Voilà. Choper la crève direct, j'ai dit, allez, elle commence bien cette année. Mais je suis dit, je suis putain. Mais moi j'ai fini l'année malade. Oui, tu l'as commencé, fini et commencé malade. Donc, Mais du coup, vous avez pas de bonne résolution. Mais en fait, j'en prends plus depuis des années parce que je culpabilise après si je les tiens pas. Mmh. Et en fait, je me réalise que si je me mets une pression pour tenir quelque chose, ça va pas être fait ou pas être bien fait et je m'impose plus ce genre de choses. Par contre, si, mais je me mets des résolutions, mais au cours de l'année, plus que des résolutions, c'est plutôt des changements petit à petit. Exactement. Bah, moi, je me fixe un peu fait. Des objectifs. Voilà. Tu sais, moi, je me suis mis des objectifs par mois plus que... En fait, en gros, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois attendre le 1er janvier pour dire, tiens, je vais faire ça? Donc du coup, là, je me suis dit, en janvier, je vais faire... Je vous dirai quoi après. Et du coup, en février... Et du coup, en février, je me dirais, ben, en février, c'est ça mon objectif. Plus me mettre des objectifs par mois que par année. Moi, j'ai essayé le Dry January. Ça marche. Pour nos chers auditeurs qui ne savent pas, c'était ne pas boire en janvier. Ouais, en fait, les deux, ça me paraissait au... Ça me paraissait au top, même le premier. Quand est-ce que tu as abandonné? Le 3. Le jour de la galette. Ah oui, 6. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas été très loin. Facile, hein. 3 jours, nickel. Pas de tentation. J'avais pas envie. Bah non, après, t'es un peu gavée après les fêtes. Tu vois, j'étais un peu mentalement au-dessus, quoi. J'étais en mode... En même temps, c'est vrai, au travail, on finissait à 15h. Donc, j'avais pas le raison de boire des bières. Je voyais pas encore mes potes parce qu'on s'était vus il y a pas longtemps. Donc, c'était un peu, tu vois... Puis la galette, c'était du cidre. Une galette sans cidre, ça fait quand même chier. Ouais, nous c'était le champagne. Et là, je me suis dit, tu vois, Hélène, parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexion. T'aurais pu résister? Non, parce que pourquoi résister? Parce qu'après, il y a une notion de plaisir qui, moi, est plus important que la privation pour un concept abstrait qui est de dire pendant un mois, j'arrête. Il suffit de dire. Pourquoi plus un mois en plus? Je bois par exemple pas le lundi, bon là, c'est raté, mais je bois moins en semaine. Ouais. Et puis voilà, tu vois, en fait, c'est. Je bois plus en mangeant, enfin, seul chez moi. Donc, tu faisais ça. Non, mais ça, c'est au travail, tout le monde traite d'alcoolique, mais quand il reste chez toi, une bouteille de vin de ton anniversaire, enfin, pas de bien parce que c'est longtemps, mais de fête, et quand il te reste une bière dans ton frigo parce que tu as resté une soirée, ben, t'as, à un moment, t'es posé, t'as envie d'une bière. Ben, que je sois 12 ou moins, ça change rien. Mais, en tout cas, je me dis, moins boire en semaine. Voilà, être raisonnable sur ce que je mange aussi, être plus dans les légumes de saison et voilà. Et moi, je pense qu'il y a un gros truc. Alors aussi, aller au sport. Ouais. Ça c'est le truc que je tiens jamais chaque année. Il faut vraiment que je fasse. Mais hier, je suis à la piscine. Si c'était pas mal. Félicitations. Merci. J'essaierai d'y aller demain, mais
Ben, tu me diras, c'est difficile de se motiver. En fait, la motivation de pas se laisser bouffer par le travail. Ouais. Et puis la motivation seule est compliquée. À deux, déjà, des fois, ça aide plus pour du sport en particulier. Non, mais moi, c'est surtout le problème du travail. Je suis d'accord avec toi, je termine tard. Et après, je me dis, mais après, le temps que j'aille au sport, que je revienne, que tout ça, je sais pas, il faut... Et puis, plus les soirées qu'on a en dehors de partout, j'ai du mal à caler, à me dire, deux fois par semaine, je vais aller quelque part. Quoi. J'ai pas une soirée fixe libre dans la semaine. Demain, j'ai beaucoup de travail, je vais finir à 20h. Je vais pas, je devrais aller au sport. Et si je vais au sport, il est 21h, j'enchaîne, il est 22h. C'est hyper tard. Tu dors, en fait, c'est pas bon, en plus, c'est pas bon. Ça te casse toi, cette soirée. Ça me va pas. C'est vraiment faire le sport le matin. Alors, ça, j'y ai pensé également. Mais je préfère dormir. Ouais, moi aussi. Je sais que j'y arriverai pas le matin, c'est pas possible. Si, je pense que tu peux y arriver. Alors moi, je suis convaincue que le matin, c'est efficace. Moi, je suis sûre que j'aurai un coup de barre beaucoup trop violent dans le reste de la journée. Parce que tu seras tellement fière de dire à tout le monde que ce matin, tu te lèves à 7h pour aller courir. En vrai, t'as les... Je me lève à 7h pour aller courir. C'est quoi, c'est l'endorphine, c'est ça, le sport, qui te motive toute la journée. Oui, mais il faut réussir à se motiver à y aller, déjà. Moi, c'est sortir du lit. J'avoue qu'en ce moment, ça manque un peu la petite décharge qui te réveille le matin. J'ai eu ce matin, mais c'était la première fois. Ouais, ce matin, je me suis levée. Bon, après, c'est... J'ai fait pas mal de... Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, moi. Aussi, hein. C'est surtout que j'ai fait pas mal de cauchemars, parce que du coup, j'étais aux urgences pendant les vacances de Noël. Et du coup, ça m'a enchaîné. Mais ça va. Mais ça va, tout va bien. Mais du coup, ça m'a fait une suite de cauchemars qui y allaient jusqu'au réveil le matin et qui, en fait, me tétanisaient. C'est-à-dire que j'étais une sorte de paralysie au réveil. Du sommeil, mais j'arrivais pas à bouger, en fait, parce que j'avais des tuyaux branchés dans le torse, avec des espèces de poches qui, il y avait du liquide qui sortait de mon corps et tout. T'aimes pas trop les hôpitaux, peut-être. Voilà. Et sachant que quelqu'un m'avait volé ma thune dans mon portefeuille, dans la salle d'attente. Et c'est le même cauchemar que tu fais en haut. J'ai fait 4 matins de suite, ouais. Ah, et tu te réveilles et t'as cette espèce de paralysie où tu veux pas bouger, il y a des tuyaux là et... À chaque fois, il fallait une demi-heure quand même. C'est bon. Quand c'est, ça paraît très réaliste, c'est compliqué. Et tu finis à 4h. Mais ouais, non, mais moi j'ai pris les bonnes résolutions du coup de janvier. Je me suis décidée de prendre soin de ma santé. Donc j'ai pris des rendez-vous médicaux, y compris le dentiste. Je suis terrorisée à l'idée d'y aller. Ouais, je déteste les dentistes. Je sais, c'est un truc que c'est... Moi aussi. Mais je me suis dit, maintenant on est grand, il y a Doctolib ou mon médecin ou je sais pas quoi, t'as pas besoin d'appeler pour prendre les rendez-vous, tu les fais en ligne. Donc déjà, ça m'a changé. Ça te retire la terreur du téléphone. Ouais. T'as pas l'impression que c'est les moins bons médecins qui sont... Mais pas du tout. Alors non. Dessus, maintenant. Et en plus, tu peux les choisir à la photo. Mais tu sais que c'est... Et sache que j'ai choisi un dentiste qui était plutôt pas mal. Mon père m'a éveillé sur Doctolib. Les gens sont rémunérés pour... Bien sûr. Mais du coup, en fait, c'est ceux qui payent qui sont sur Doctolib. Donc c'est pas forcément les meilleurs, ceux qui ont besoin de travailler. Ouais, mais alors écoute, moi j'ai... C'est ceux qui ont envie d'être référencés et aujourd'hui, ont besoin de travailler. Tout le monde est référencé. Et qui font des actes plus chers que d'autres. Non, c'est moi, je peux te dire qu'ils étaient... Ils sont tous ultra chargés et pourtant ils sont sur Doctolib. Là, tu vois, j'ai ma généraliste qui, du coup, aujourd'hui, est devenue officiellement médecin traitant. J'ai l'impression d'avoir demandé en mariage, tu vois, c'était un très bel acte aujourd'hui. Donc maintenant, j'ai un médecin traitant. Moi, j'ai jamais fait. Et ben, figure-toi que tu lui demandes. En fait, tu vas comme ça sans rien ou d'avoir un motif? Après, t'as un formulaire. En fait, ouais, moi, je l'ai rempli en ligne devant moi. Mais t'y allais pour une visite de courtoisie? Bah, en fait, non, j'y allais pour mes radios de genoux. D'accord, mais moi, j'ai rien, je vais pas aller les demander si elle demande un médecin généraliste. La prochaine fois, si tu vas. J'y vais depuis le mois de juin chez elle pour mon. D'accord, t'as déjà construit une relation. C'est mon médecin qui m'a demandé d'être. Oui, moi, il m'a demandé si j'en avais un déjà. Parce que pour eux, c'est important pour la sécu, pour tout ça. Moi, j'en avais jamais eu. Et voilà. Si t'en as pas. Alors, j'en ai eu peut-être quand j'étais petite, tu vois, le médecin quand t'es petite. Et là, du coup, je me suis dit, allez, faut lui demander. Et du coup, j'ai eu l'impression de la demander en mariage. Je fais, est-ce que vous voudriez bien être. Non, mais c'était très bizarre. Mais en fait, j'adore ce médecin que j'ai trouvé sur Doctolib. C'est une généraliste qui est aussi ostéo, qui est spécialisée dans l'homéopathie. Dans psychomotricienne et santé mentale. Ah oui, elle fait tout en fait. Elle a combien de médailles d'argent de je ne sais pas quoi. Ouais, elle est hyper diplômée. Elle était dans les majors de sa promotion. Enfin, elle a une trentaine d'années. Hein. Et je elle a tout fait en même temps. Elle a fait le cursus en parallèle. Non, mais en fait, c'est hyper pratique parce que. Je pense qu'Hélène, faut que tu saches que c'est un mensonge. Non, mais elle est géniale. Elle a son cabinet avec son papa, je crois, qui est rhumatologue et sa maman qui a une autre spécialité. C'est vraiment une famille de médecins. Et je trouve ça génial parce que le double truc ostéo-médecin généraliste fait que moi, avec mes problèmes de genoux et mes problèmes de dos, je viens la voir pour un truc et puis au passage, elle me recale les vertèbres ou elle me recale la rotule, tu vois. Je trouve ça génial. Donc du coup, voilà, mon mois de janvier, c'est du médecin. Le but, c'est qu'à la fin du mois, je suis soignée ou au moins je sache pourquoi je suis malade et ce qui va pas, tu vois. Comment tu vas mourir? C'est bien ces résolutions. C'est bien, mais bien, en fait, faut s'en occuper, tu sais, t'as tendance à procrastiner, genre. Ouais, complètement. Genre le dentiste, moi, je pense que je le procrastine pendant 4-5 ans à chaque fois, tu vois. Le 2 janvier, j'ai pris mon rendez-vous chez médecin, gynécologue et kiné aussi.
faut prendre tous ces rendez-vous-là. Moi, je suis à jour. Hein. Moi aussi, ça m'a motivé. Prise de sang, mais le début d'année m'a motivé en me disant il faut que je le fasse. Ça me fait mal. Prise de sang, j'en ai fait plein. J'ai fait plein. Ça m'intéresse très peu. Donc voilà. Je sais pas encore si je décidera en février, mais tu vois. C'est ma résolution principale, même si c'est pas une résolution imposée. Je me suis dit en 2019, je fais plus attention à ma santé, je m'écoute plus. Ce qui va aussi avec prendre du recul par rapport au travail, par rapport à tout ça, mais je m'écoute plus. Si j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de m'arrêter ou je sais pas quoi, je le fais. Et point barre. Exactement. Alors, les soupes. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai aucune résolution. Non, mais ou une envie de... Au-delà de la résolution, tu vois, tu t'es pas rendu compte que t'avais entamé quelque chose en 2018 et tu te dis tiens, je le continue en 2019. C'est peut-être le moment, l'année de faire le point professionnellement. Ah, je pense qu'il y a ça, quand même une lassitude. Ouais, quand même. C'est con, je vais changer de poste, mais. Bah oui, mais c'est justement, non, des fois, c'est aussi ça qui montre que ça va pas. Je pense qu'il y a une lassitude et je pense que ça va être l'année où il va falloir décider quelque chose. Bah ça, c'est important. Soit de changer de boîte, soit de changer de métier. C'était 30 ans. C'est l'année des 30 ans. Mais c'est un truc d'un fou, hein, le 30 ans. C'est un peu... Voilà, donc là-dessus, je pense que ça va être une année un peu charnière, c'est ce que je me dis. Wow. Ah, t'as mis des mots-clés, genre... charnière. Genre, j'ai plus m'écouter. Année charnière. Prendre soin de ma santé. Faire du sport. On a vraiment se mettre en bonne de connasse, hein. Non, votre plan, je m'accrocherai. Il y a aussi continuer ce qu'on a commencé en 2018, donc faire un peu plus green, eco-friendly, tout ça. Moins gaspiller. Moins gaspiller. Faire du troc. Ouais. Faire des soupes. Faire des soupes. Faire des soupes. Moi, le... Consommer moins, parce que les jeans avec tous ces litres d'eau, putain, les jeans vont manquer. Moi, j'ai déjà commencé avec Marie Kondo à changer tout mon intérieur. J'avoue, le consommer mieux, consommer moins, ça. Oui, c'est sûr, mais quand tu regardes. Mais je pense que c'est un peu général. Ouais. C'est pas lié à nous, ça. Ouais. De quoi ? Consommer mieux et consommer moins. Ah oui, c'est général. Je pense que c'est général, ouais. Mais c'est bien parce que du coup, les gens s'entraînent. Enfin, c'est-à-dire que. Ouais, et puis on est. T'as toutes les applications. Du type Yuka qui dit maintenant tes cosmétiques c'est de la merde, ta bouffe c'est de la merde. Donc, oui, t'as plus de conscience, t'es deux moyens bah, qui sont directement dans ta main en fait, qui disent si c'est bien ou c'est pas bien. Bah disons que c'est plus dur d'assumer sachant ce que tu c'est consommes ça. Après. C'est-à-dire que là tu le sais. Faire culpabiliser mes collègues. Voilà. Automatiquement, c'est mauvais. Ah non, mais c'est pas comme ça, c'est en mode Marine, tu as pris des couverts en plastique à midi. C'est pas grave, mais moi j'ai les miens que je réutilise. Maintenant, je refuse les couverts en plastique. Je refuse les serviettes en papier et j'essaye d'avoir toujours le tote bag avec moi. Mais c'est dur à penser. J'ai pas encore pris l'habitude et des fois c'est compliqué. Pas de paille, mais il y a des trucs, il y a des endroits c'est dur de pas avoir de plastique. Mais c'est surtout prendre des pailles dans la soupe. Bah oui, si ça dépend. Enfin moi, je prends des citronnades dans des trucs faits maison là, de salade et tout, ils te foutent des pailles. Ouais, non, un truc incompréhensible. Il y a un casino en bas là. T'as un espèce de bouton qui te dit je ne veux pas de ticket. Le truc te sort quand même 6 tickets. Alors, t'as effectivement pas le ticket qui dit ce que t'as acheté, mais t'as tout le reste. Ouais. Le truc de fidélité, franchement, le truc qui t'imprime pour pouvoir scanner la machine pour que les portes s'ouvrent et que tu sors du magasin. Le truc est toujours ouvert. T'en as pas besoin. Et tu te ressors avec 6 tickets. T'en aurais eu 7 si t'avais pas appuyé sur le bouton. Ça m'énerve, tu vois. Moi, je me suis rendu compte que chez Bio, c'est bon, ils m'ont jugé quand ils m'ont demandé si j'avais la carte de fidélité et j'ai dit non. Moi, le mec il m'a regardé en mode. Je l'ai fait faire, chez Bio, c'est bon. J'ai pas demandé un sac. Donc là, il s'est dit, mon Dieu, la meuf, je sais pas où aller. Ah, c'est clair. Elle sait pas dans quoi elle met les pieds, là. Non, ils vont te juger si la prochaine fois tu n'amènes pas le sac que tu as pris. Là, je l'ai jeté, malheureusement, parce que je ne ferai rien. Moi, j'ai encore du... Ah, c'est pas un cabas, un truc réutilisable. Ouais, les tote bags, j'ai pas mal gardé, mais tout ce qui est sac en, justement, en craft ou comme ça pour les fruits ou légumes, ça, j'ai pas encore pris l'habitude. J'ai encore du mal à y penser. Moi, j'en ai pas mal. Là, tu stockes ça où? Enfin, je veux dire, Moi, c'est sous mon évier, j'ai un espace où j'ai tous les sacs. Un bordel. Je mets un sac, non, je mets un grand sac et dedans, je range tous les sacs. Mais c'est pas grave. Un sac de sac. C'est bordel. Non, mais. Le sac de tote bag et le sac de trucs à la con. Mais, j'ai fait un gros trip de tote bag que j'ai amené à mes collègues et tout, parce que je me rends compte que je leur ai largué encore, genre, 30 tote bags au moins facile et que j'en ai encore une bonne vingtaine chez moi, quoi. Ouais. Et donc, je me suis débarrassée de, j'ai fait un grand tri encore une fois, de toute façon, de vêtements et d'objets comme ça dont j'ai plus besoin. Cosmétiques aussi, je fais un gros tri. Moi, j'ai commencé à vendre sur Vinted. Ouais. Et ça marche bien. Ouais, parce que moi, j'aime quand même l'idée de gagner de l'argent. Mais moi, je sais que mes fruits ne valent rien, donc ça sert à rien. Tu fais pas du Marie Kondo en mode tu jettes. Moi, je jette pas, je donne aux associations, ça, de toute façon. Du coup, tu vends. Je vends et ça marche de ouf. Ouais. J'achèterai jamais un t-shirt d'occasion, moi. Ils vendent du neuf aussi sur Vinted. Ah, oui, parce que tu peux mettre neuf. Mais moi, j'ai pas de truc neuf. Ouais, sinon, il y a des gens qui vendent avec des étiquettes ou comme ça, c'est intéressant. C'est envolé, peut-être. On s'en fout aussi, c'est. Mais en fait, tu vends facilement des trucs. Ouais, il paraît que ça marche bien. Enfin, là, j'ai commencé à Nice avec ma mère en faisant un peu le truc des placards. On a dû vendre pour 300 balles. Ouais. De sacs, de. Oui, de trucs que tu utilises plus, quoi. Qui sont au fond des armoires que toi, t'aimes plus. C'est une question aussi de goût et de.
de look et ça marche du tonnerre. Et c'est très simple à, ouais, bah, à faire. C'est juste que moi je te dis, comme je sais que mes fringues n'ont aucune valeur parce qu'ils coûtent pas, déjà pas cher à l'achat et tout ça, je le fais pas quoi. Mmh. Je les donne. Par contre, je gagne la thune avec mes livres et mes DVD et tout ça grâce à Momox, l'appli. C'est quoi? C'est une appli. Anaïs, c'est une appli. J'ai converti Hélène. Ah non, c'est réveillée. Je suis désolée. Ça, parce que j'y pensais. Je disais putain, Amazon. Alors ça marche pour. C'est super cher. Non, mais ce qui est hyper pratique sur Momox, c'est que. Donc c'est pour les CD, les livres, les DVD, les jeux vidéo. Donc c'est, ça couvre quand même pas mal de choses. Tu scannes en fait tout ce qui est chez toi, tu scannes les codes barres derrière tous tes objets. Ça te dit la valeur à laquelle ils te la rachètent. Donc soit ça te plaît, tu le mets dans le panier, soit tu te dis c'est pas assez cher, genre 15 centimes, ça m'intéresse pas. Et puis une fois que t'as fini de scanner ce qui t'intéresse, tu mets tout dans ton panier. T'as juste un carton à trouver. Chez toi, Et en fait, Momox t'imprime un bon d'envoi gratos. Mais c'est pas les gens qui achètent. C'est non, c'est personne qui achète. Comme ça, t'envoies tout. T'as pas de faire chier avec les ventes et les ventes au détail. Et une fois qu'ils ont reçu le carton chez toi, c'est déjà chiant, les ventes au détail. Bah, en fait, disons qu'ils vont pas. Voilà, c'est que ça va pas. Tu vas pas forcément le revendre au prix auquel tu l'aurais peut-être revendu sur le bon coin. Mais en vrai, tu t'en débarrasses parce que t'en as rien à faire. Ouais, pour les trucs que t'arrives pas. Ouais, franchement, j'ai revendu des trucs des fois hyper surprenants, genre des tomes 7 et des tomes 8 de manga. Ouais, mais qui avait une valeur particulière. Quand t'as l'air pris 6 euros, tu vois. Enfin, tu te dis, mais c'est... Momox. Ouais, Momox. Momox. Et, ouais, et l'avantage du truc cool, c'est que t'as ton... ça scanne avec ton téléphone et tu te fais tous les codes. Ouais, t'es chez toi, tu commences. Toi. En fait, moi, je me suis... j'ai fait un premier carton et j'ai envoyé 3 cartons, en fait. Ouais. Ça, c'est... j'avais envie de le scanner, quoi. Je suis motivée. Et du coup, et du coup, bah, tu vois, et du coup, t'as des bonnes surprises parfois, hein. T'as des trucs qui valent hyper cher, et donc, au contraire, tu te dis, putain. Non, mais tu sais, des fois, t'as des. Moi, la plupart, c'est des trucs que j'ai eu gratos, ouais, par exemple, les DVD ou les. Des DVD, des bouquins. Ouais, il y a plein de trucs où je. Tiens, regarde, ça, par exemple, ça m'avait rien, je suis pas sûre que ça ait beaucoup de valeur. Après, souvent. Je pense pas. Ça aide la BD. Marine, là, est en train de scanner la BD que. 8,96€ Allez, quand même. Après, tu vois, tu vas tester des trucs genre les DVD, les Blu-ray, c'est compliqué d'en trouver qui en a valeur. Les Harry Potter, les Iron Man ou comme ça, t'inquiète, ils vont parce qu'il y en a trop. Ben oui, c'est même pas les 15 centimes. Mais après, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils en font, Momox? J'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que dès qu'ils reçoivent le carton, c'est viré sur ton compte. L'argent. Directement. T'as pas à te faire chier à appeler le mec du bon coin, à quelle heure on se retrouve et à quel endroit pour vendre un bouquin. C'est, non, c'est. Moi, j'ai pas de service pour télécharger Momox ici. T'as pas de réseau, pas de service. Oui, bah, aucun service. Mais après, du coup, tu fais du vide. Je peux avoir un DVD? Ça m'a surtout. Au hasard? Ça m'a surtout servi à faire du vide. Prends un truc en podcast parce que maintenant, on est sur Momox. Prends un truc à part pour revendre. Mais je te dis, les DVD, c'est très dur de trouver qu'on l'a pas. Non, moi, j'ai des trucs un peu bizarres de Carlotta, là, je sais pas quoi. Ah oui, ça a de la valeur. Ah, moi j'ai eu la série V, 22 balles ils m'ont repris le DVD. C'est quoi ça? 22 euros. Bilivine, ça fait cher. Et un CD de Dalida, 10 euros. Je me suis dit putain, j'avais non racheté. Tu vois? Ah oui, il y a des trucs qu'ils en veulent pas quand même. Ah oui, il y a des trucs qu'ils en veulent pas. C'est tout Hélène, on n'a pas d'autre chose. On s'amusera à scanner à la fin de l'émission, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que dès que tu commences, t'as envie de tout scanner. Bah, ah ouais, sûr. Ah, moi j'ai tout scanné. Ouais. Moi, il reste un carton dans ma cave. Parce que des fois, tu vas avoir des super bonnes surprises. Ah, mais c'est ce qui s'est passé. Des comics et tout ça que je me suis dit, en fait, je les lis pas, j'ai pas suffisamment de comics. J'étais surprise par. 15 euros, quoi. On avait reçu un jour un bouquin, Les Nouveaux Méchants de série ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, c'était un truc au service presse ou en soirée, on avait eu ça. Ça n'a rien à faire, le bouquin ne m'intéressait pas. Le truc, ils l'ont repris 7 ou 8 balles, c'est parfait, ouais, tu vois. Ouais, ça il traînait bien. Chez moi, en plus, il y a une faute. Il y a une faute sur la tronche, je sais pas le fait, la tronche. Arrière du livre. Ma quatrième. Voilà. Une espèce de faute d'orthographe. Nouveau, c'est écrit, genre, il y a deux E ou un truc comme ça. Pas de scandale, c'est l'éditeur. Voilà. Tout pourri. Et non, mais du coup, ouais, c'est pas mal. Ça fait la place. Ça fait de la place. Moi, c'est surtout, j'ai fait vachement de place. Et de l'argent. Et de l'argent. Pour nourrir des projets. C'est bonus. Moi, par exemple, mon premier achat de 2019, c'est une valise. Alors, et pas n'importe laquelle. Et pas n'importe. C'est une vraie histoire avec cette valise. Faut savoir que je suis abonnée à un compte Instagram qui s'appelle Instagram for Business. C'est parce que c'est mon métier aussi des réseaux sociaux. Et dans Instagram for Business, ils prennent des best cases de marques qui font vraiment de la major value en Instagram. Faut savoir que Marie fait des air guillemets de tout ça. À chaque mot. Et que dans la business case,
sur le Add Value, il y avait la marque Away qui vend des gate des valises. Des valises. Tu peux dire en français. Et en fait, cette marque, elle est très belle sur les réseaux sociaux, ça donne très envie, c'est très inspirant, c'est très beau, là c'était magnifique. Et j'ai découvert que cette valise, Formula Valise, que vous ne pouvez pas voir, mais je mettrai des photos sur le site. Oui. Quand j'aurai fait un article test. Oui. Pour parler de la valise dans tous les recoins de mon appartement, charge votre smartphone. Et ça, mieux. C'est la vraie. Elle charge actuellement le PC qui enregistre le podcast. C'est formidable. Et cette petite valise, cette petite batterie peut s'enlever pour être chargée avant ton voyage. Bon, je l'oublierai sans doute de pouvoir la charger avant. Mais en tout cas, comme chaque recharge de tout. L'objet est magnifique, elle est d'un bleu. Et à l'intérieur, il y a des endroits. Il y a des endroits. Il y a même un sac pour le machin là. Ah, ça j'adore. Mais ça, j'ai acheté ça, moi, chez Nature et Découverte, des sacs pour voyager comme mais ça. Mais là, il est dans sa pochette. Là, pochette, elle est intégrée. Ouais. On le déplie, ça t'a un gain de temps. Là, c'est magnifique. C'est vraiment, je sais pas si vous pouvez l'entendre rouler. Elle est très silencieuse. Elle a des roues qui sont très espacées. 360, c'est vraiment beau. Très mais ça, c'est la base maintenant. Moi, je fais plus les valises qui font pas 4 roues comme ça. Hein. Parce que ça te change la vie. 2016, les valises de roues. Ça te change la vie. Et niveau garantie. Ah, garantie à vie. Marque, alors, américaine. Qui est distribué only on US, mais vous pouvez avoir le delivery en France. Et pour combien de frais de port? It's free. Ah bon? Oui, parce que la valise coûte quand même 2,050 euros. 2,000? Non. 250? 250 euros pour la cabine. Franchement, ça vaut le coup, je regrette pas l'achat. Il y a plusieurs choix de couleurs, on se régale. et puis tout est bien fait, enfin je veux dire. Oui, non, elle est très belle. Il y a le petit mot de passe sur la valise, bon, ça c'est normal, je crois, aujourd'hui. Oui. Mais il y a surtout le petit bouton, ça, en fait la petite clé, ça c'est nouveau. Où en fait, s'ils veulent ouvrir ta valise, ils détruisent pas le cadenas. Ouais. Et en appuyant sur le bouton, ils arrivent à ouvrir la valise. Ah, ça, c'est un truc de sécurité des aéroports. Ça c'est magnifique. Les poignées sont belles, tout est très beau, c'est très chic. C'est ce qu'on vous disait au début du podcast. Payé, non mais c'est ce qu'on vous disait au début du podcast. 2019 c'est l'année de la maturité, hein. Ouais, on a changé. Exactement. À 31 ans, on se kiffe sur les valises. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, faut qu'on fasse des achats. Hein. Alors moi, les achats que j'ai envie de faire pendant les soldes. Ah oui. Je pense j'ai vraiment switché. Hein. Un défroisseur à vapeur. Ah, tu te moques de la machine à soupe d'Allemagne. Ouais, petit compact 30 balles chez Amazon et tu fais chip chip et ça te défroisse le truc. Alors ça, je l'ai acheté. Il est actuellement dans mon placard, il n'est jamais sorti. Et ouais, moi je suis sûre que je l'ai acheté. Mais c'est dommage ça. Jamais. Moi je pense que c'est génial. Je l'ai pas acheté. Ah, mais tu l'as pas encore acheté. J'ai ça en ligne de mire. C'est le prochain achat un peu utile. La valise, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais acheter d'autre de très non les plantes j'ai assez hein. Ouais. Bah moi j'ai acheté une étagère à plantes donc pour pouvoir gérer tout mon âge petit. Parce qu'il faut savoir qu'on a le même âge. Oui. Donc on est un peu sur les mêmes. Ouais c'est ça, on a les mêmes envies tu vois. On a les plantes. Les plantes, la déco. Le bien-être. C'est déco très important. Déco important. Ouais. Des assiettes là j'ai une petite obsession pour des assiettes en émail. Donc l'émail c'est un peu de la tôle hein. C'est une marque, c'est s'appelle Falcom. C'est très beau, c'est un peu vintage, il y a un liseré bleu, c'est magnifique. J'hésite entre deux couleurs, donc j'ai toujours pas acheté, mais le fait d'hésiter entre deux couleurs, moi ça m'excite. À quelle heure on se regarde ça. On veut pas. Attendez, dans un an ça sera ça. Vous verrez, il y a un switch, il y a un vrai switch. Il se passe un truc. Une fois que t'as accepté que t'es passé du côté obscur dans la trentaine, franchement tu l'assumes, ton adulte. Son adulte riche, et voilà, et tu achètes des trucs d'adulte. Et puis t'as acheté complètement. Alors, mes premiers achats, mon premier achat, c'est une balance pour les aliments. Voilà. Parce que j'ai aperçu, figurez-vous, qu'en pesant mes soupes, je galérais pour peser, pour savoir exactement quelle quantité mettre dans ma soupe. Mais évidemment, c'est bien un truc de vieux aussi. Oui, c'est vrai, la balance de vieux, ça. C'est vrai. Alors que moi, je fais un investissement sur le long terme pratique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'investis cette année dans l'épilation laser. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le fasse. Moi je peux pas, j'ai les poils trop blonds. Ça m'a pas plu. Mais toi t'es trop blond aussi, non? Non, t'es blonde. Moi pas partout, Anaïs. Ça marche. Moi je suis brune. Et du coup, je fais. Surtout qu'il faut y aller beaucoup de fois pour que ça marche. Exactement, ouais. Là, moi je suis mon premier rendez-vous en février, mais un mois pour prendre un rendez-vous. Et on verra bien. Après, c'est en bas du travail, c'est hyper pratique. Mais du coup, ouais, je me suis dit, je vais tenter ça. Mais ça coûte une blinde. Ouais, c'est très cher. Mais disons qu'en fait, c'est pratique. C'est mon investissement 2019 et ma thune des cadeaux Noël, tout y passe. Mais je veux, tu vois. Je me dis que c'est pratique. Qu'est-ce que t'appelles ton investissement 2019? Bah, disons que je j'investis. T'es prévu une cagnotte, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est mon. J'ai pas envie de m'offrir un objectif photo ou ce genre de choses. J'ai envie de. Tu vois. Épilation. C'est comme moi, j'ai envie d'une valise. Ouais. C'est ça. Bon, c'est pas le même prix, hein. Non, parce que moi, tu vois, ça c'est fait. Maintenant, je peux passer à un autre objectif. Ouais. Je me dis derrière, j'ai un aspect hyper pratique, tu vois. Là, c'est quand je l'ouvre. T'as pas à l'esthéticienne, t'as pas. Tu vois, quand tu vas à la piscine, quand tu pars en voyage. Non, c'est ça.
Ça, c'est quand même vachement mieux. Et tu fais tout? Alors, on va tout savoir, Hélène. Je vais attendre d'avoir le devis, mais j'aimerais bien faire au moins les jambes complètes. Ah, jambes complètes. Je ferai au moins les aisselles, parce que tu sais, ils te le... Ah oui, tu veux faire la totale. Ouais, t'as dit au moins les jambes complètes ou au moins les aisselles? En fait, le truc, c'est si tu fais les jambes complètes, souvent ils t'offrent les aisselles. C'est gratuit. Ah oui, c'est tellement cher que... Ah bon? Ah, c'est offert les aisselles. Et du coup, je vais faire un combiné avec le maillot, mais simple. Parce que tu vois, je me dis... Ah, mais tu vas faire la totale, quoi. Bah, en fait, autant que ça soit pratique, tu vois. Ouais, mais putain, tu vas souffrir. Ah, mais tant que tu y es, quoi. Tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu t'es fait... Laserisé, j'allais dire. Quand t'es passé aux jambes, que tu fasses le maillot, je pense que ton corps, il sent plus rien. Ah, mais le maillot, quand même. Ouais, mais après, tu vois, je me suis dit, je fais pas non plus le truc hyper échancré au brésilien ou quoi que ce soit, parce que je me dis, j'ai peut-être qu'un jour, j'ai envie d'avoir des poils là. Peut-être que tu voudras qu'ils reviennent. Effectivement. Mais tu vois, je me dis, un simple, c'est bon. De toute façon, après, la nature fait que ça pousse moins bien après le laser. Ouais, mais bien sûr. Ça repousse plus et autant. Et après, moi, en plus, je fais partie des gens qui ont ces poils incarnés, mais 80% du temps. Et du coup, la meilleure solution pour ça, c'est le laser. Donc ça reste aussi une bonne solution. C'est une bonne petite excuse. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, par contre. C'est la flemme, tu vois. Les poils incarnés, bah, c'est... Moi, je peux m'exfolier pendant 3 heures si tu veux. Il reste en dessous. Et puis, t'as fait ta belle épilation et pouf, le truc, il pousse, il fait 5 cm. C'est les boules. Ouais. Donc du coup, voilà, je me suis dit 2019. L'année du laser. À mort les poils. Voilà. C'est le moment où je dis que j'ai de la chance. Je n'ai pas de poils sous les aisselles. C'est vrai. Je suis imberbe des aisselles. C'est pas possible. C'est... J'en ai jamais eu un poil sous les aisselles. Tu veux que je te montre mes aisselles ou pas? Parce que les gens sont impressionnés à chaque fois que je montre mes aisselles. La première fois que j'ai vu, j'étais là, genre. Mais c'est dégueulasse. Et la Max! Attends, genre, c'est pas possible. Tu vas être hyper jalouse. Mais vraiment, c'est un truc. T'es là, genre, mais. Y'a pas de poils. C'est fou. Non, y'a pas d'image. Donc là, donc Anaïs, c'est bon que c'est. Je te montre mes aisselles. Elle se voit à poil. Mais ça se voit qu'il y a rien. Ça se voit qu'il y a rien. Non, mais ça se voit qu'il y a rien. Cette Marine regarde mes aisselles. C'est magnifique. Je n'ai jamais eu de poils. Mais c'est dégueulasse, ça. Mais oui, c'est dégueulasse. On n'est pas égales, hein. J'ai attendu très longtemps que des poils arrivent et après, au bout d'un moment, je me suis résignée. Oui, mais tu vois, ça faisait dur, je pense, au collège. Bah oui. Mais parce que nous, on était là en mode. Oui, voilà. Puberté. Non, j'ai jamais été fière d'avoir des poils. Jamais. Hein. Mais non, tu le vis plutôt bien, hein, le fait de pas avoir à t'épiler. J'avais une copine au collège qui avait une toute petite zone de poils. Mais ça se faisait un peu. Elle avait une mini touffe. Et attends, genre vraiment, je crois que ça devait faire 1 cm, 2 cm, quoi. Et j'étais hyper jeune. Je lui ai dit, mais t'as trop de chance, t'en rends compte qu'elle t'a que 2 cm de poils. Tu sais, t'en as même pas, quoi. Alors, j'ai même pas un duvet. C'est-à-dire que, genre, j'ai même pas eu le bébé poil. Ouais. Rien du tout. Dégueulasse. Et après, sur les gens, c'est trop bien. Donc je les vois, ils se voient pas trop non plus, donc je suis pas trop emmerdée. Ouais. Là-dessus, je. Ouais, du coup, on va pas investir. Ah ouais, je fais des économies. Moi, j'essaie de faire des économies aussi. On fabrique comme mon shampoing. Ah oui. On va venir dans un truc calci. Santé. Si vous voulez prendre une petite douche et vous lavez les cheveux, vous pouvez. Vous aurez les cheveux sales après. En fait, mais tu faisais un seul shampoing ou deux? Tu peux en faire au moins deux, en fait. J'ai remarqué avec les shampoings comme ça. Ah moi, j'ai fait un, mais du coup, j'ai du stock pour un an, tu vois. Ah ouais, à ce moment-là. Mais c'est pas. Non, mais moi, je peux pas sortir comme ça. Ma mère était là en mode ça, j'aime pas. J'ai dit mais si. Non, mais même. Plusieurs. Il y a quoi dans ton... Alors, ça se fabrique très simplement à base de savon liquide, d'argile, d'henné neutre. Ouais. Sauf si vous avez les cheveux colorés, vous pouvez mettre un henné coloré. Moi, dans mon cas, je n'ai pas de couleur. Donc, le naturel prime. Et du... J'allais dire, c'est pas du jus de citron, mais c'est de l'essence de citron. De l'huile essentielle? Ouais, huile essentielle. Pour l'odeur, tu vois, sympa. Ouais. Le moment, j'étais vraiment chouette, c'est vraiment rigolo de fabriquer à la maison, tu vois, ouais, tu dis. Potion magique. Moi, j'adore ce que je dis à chaque fois, j'ai l'impression d'être une sorcière avec des petites recettes. Alors, moi, c'est terrible, j'en fous partout. Alors, après, j'ai envie d'acheter un aspirateur parce que moi, je suis quand même. T'as pas d'aspirateur? Si, mais j'ai envie d'un Dyson qui aspire tout, quoi, même le voisin en dessous. Celui, là, S34, là, qui est en haut, là, partout. Aussi, tu peux faire deux plafonds, sans fil, sans enlever, tout. T'es épilé avec. Il a l'air formidable. Bref, 375 euros, peut-être que je peux l'acheter. On a 31 ans, c'est notre objectif, hein. Mais je sais pas où le ranger. Si je savais où le ranger, je l'achèterais tout de suite. Ah oui. Et donc, j'étais contente et tout, et j'avais hâte de me laver les cheveux. J'étais en mode, oh là là, demain, je vais me laver les cheveux, c'est formidable. Je l'ai fait. Alors, sur le moment, ça mousse beaucoup parce qu'il y a du savon, donc ça mousse. C'est très liquide. Tu dis que ça va être propre, quoi. C'est très liquide, par contre. Quand tu le mets dans les mains, ça... Ouais, ouais, tu vois, ça part. Et là, tu dis, merde, il y a un truc qui cloche. Après, tu te le fous sur la tête, tu rinces, et là, c'est pas du tout doux. C'est rêche à mort. Oui, rêche, ouais. Oui, et tu dis, merde, j'ai pas un après-shampoing industriel là, sur la tête, parce que je suis pas bien. Donc, tu dis, non, c'est pas bon. Donc, tu continues dans ton mood. Là, tu dis, bon, c'est bizarre. Est-ce que j'ai bien rincé? Parce qu'on sait pas, tu vois. Ouais, le rinçage est très important. Là, tu sors de la douche. Tu te dis, bon, ça a l'air pas mal, machin, cheveux mouillés.
tu les sèches. Et en fait, ils restent comme si. Et là, tu te dis, mais. C'est-à-dire que ça reste de lac. Ah, ouais. Moi, j'ai eu le même problème. J'ai pas mis de lac. Une zone complète. Si, je pense. Si, mais. Mais pas comme pareil. Et donc, moi, je fais le travail comme ça. Et après, ma réflexion, c'est, tu te laves pas les cheveux, ma reine. Alors, je dis, si, si, mais je t'avais un nouveau truc. Du coup, j'ai dû me les laver tous les jours. Pour avoir l'impression de shampoing de cheveux propres, ouais. Et c'est pas passé, et je suis repartie à shampoing. Moi, il y en a un, je me suis jamais habituée non plus, donc j'ai arrêté de le prendre aussi, mais donc je suis repassée à des, pas de la fabrication moi-même, mais en tout cas des shampoings naturels, ouais. Mais au moins, bon voilà, ou du shampoing solide qui fonctionne. Mais j'avoue que ma cousine nous a offert ses propres cosmétiques à Noël, donc du coup, t'avais un gel douche qui est nickel, il y avait des baumes à lèvres, un dentifrice, alors j'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Pour l'instant, j'y arrive pas. Bah, solide. Et, oui, solide. Ouais. Bah, c'est ta brosse à dents que tu mouilles, en fait. Et tu ouais, mais sur le... pour l'instant, il se passe rien dans ma bouche après. Ah merde. Voilà. je suis pas satisfaite du truc. Je pense qu'il faut que je l'appelle pour comprendre. Et il y a effectivement le shampoing. Et c'est le même effet. C'est-à-dire que tu te laves, t'as l'impression que ça va sur le moment. Et puis après, il y a un petit côté. Donc, si vous avez des conseils pour nous sur les fabrications de shampoing. Moi je prends, j'ai tout, hein. J'ai la soude aussi, parce que c'est la base de tout, de toute chose. J'ai plein de trucs, mais ça ne marche pas. Bah, fais des produits ménagers avec. Les produits ménagers, j'ai moins peur. Ouais. Par contre, moi, ça cartonne, hein, sur les la produits gueule, ménagers, c'est trop bien, c'est trop pratique, mais... Tout ce qui te met sur ta tête, c'est quand même peu recommandé. Je pense qu'on est trop habitués à des... Si, moi j'avais fait un très bon masque à cheveux, par contre. Un masque, pas un après-shampoing, mais un vrai masque capillaire que je faisais de temps en temps, tu laisses faire pendant 10 minutes et tout, et lui, c'était un truc nourrissant, donc il était vachement bien, hein, que j'avais fait moi-même. Mais moi, je fais jamais de masque pour les cheveux, parce que je ne sais pas quoi faire pendant 10 minutes. C'est vrai que t'as la bouche, un peu con. Bah, tu te rases, ou tu. 10 minutes. C'est vrai que moi, j'aime pas non, moi, ce que je fais en général, je le fais en sortant de la douche, et je mets mon baignoire et ça, et après, je me rince juste les cheveux 10 minutes après. Mais moi, c'est pas possible dans ma douche. Pourquoi? Parce que si je peux pas rentrer et laisser la porte ouverte, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est pas dérangeant. Tu mets juste ta tête sous la. Après, il y a de l'eau partout. Non, moi, ça me va pas. Je préfère pas faire de masque. Ou sinon, tu restes sous ta douche, et puis tu mets de la musique, et puis tu chantes, et tu danses. Non, parce que je pense que 10 minutes à balle d'eau chaude, j'ai plus de balle en moi. Non, mais tu coupes l'eau. Bon, c'est encore pire, j'ai froid. Ah ouais, ça va, le temps que ça refroidisse. C'est pas un bon moment pour moi. Non, j'ai jamais aimé le masque. Non, je fais ça comme ça, je sors dans la douche, je mets une petite crème pour le corps et tout, et après... Chez le coiffeur, un réganade, on fait un petit soin, ouais. Mais déjà, le masque visage, je l'ai fait avant de prendre ma douche. Moi aussi, pas et je débarbouillé par le pareil, et je rince avec la douche, sinon je pense pas à la douche. Faudrait faire un spa maison. Ouais. Un petit spa maison où les gens viendraient te masser directement. Ça existe, je crois. Ça existe, des trucs maison. Ouais, maintenant t'as des trucs à domicile. Bah, pas comme ça, j'avais été assez étonnée de voir que, à domicile, c'était pas si cher que ça. Comme la nana qui vient te faire les ongles ou ce genre de choses, à domicile. Voilà, on en était où? Dans nos bons achats. Vous êtes à la valise? Du coup, là, pour l'instant, t'as rien acheté, à part des litres de soupe. Non, des litres de soupe, et donc une petite balance à aliments. Et, si, un casque. Ah, le casque audio. Oui, parce que je suis dans un bureau très très bruyant. Ah, un truc anti-bruit. Ouais, et du coup j'en ai pris un spécial anti-bruit, mais qui s'est perdu, le colis s'est perdu. Ah merde. Du coup j'ai beaucoup râlé auprès de Amazon. Comme le Secret Santa de David. Et du coup ils m'en ont renvoyé un autre, donc j'espère qu'il va arriver demain ou après-demain. J'ai hâte. La libération, ce genre de choses. Ouais, j'ai vraiment hâte. Et non, sinon j'ai pas trop craqué. Hein. Mais du coup t'as peut-être investi dans des vacances. Ah, ouais. Transition. Quel est ton projet 2019? Alors moi en fin d'année, en octobre, je pars en Louisiane. Ah c'est octobre. Ouais, octobre. Et alors je sais pas si vous en souvenez, mais c'était moi ma destination déjà de rêve en 2018. Malheureusement t'es allée en Grèce. Voilà. Vous avez été malade. C'est des vacances incroyables. C'était trop bien. Mais tu vas t'ennuyer sans moi alors, tu sais. Hein. Ouais, ça va être moins drôle. Ça sera peut-être moins drôle. Ouais. Et du coup voilà, donc c'est un voyage organisé par mon CE. Donc c'était une occasion pas trop chère, etc. Donc un petit... Ça fait rêver la Louisiane. Ouais, ça fait trop rêver. Trop bon. Un petit circuit sur 10 jours, donc ça va être bien. Vous partez aussi quand même ensemble week-end prolongé. Ah si, prolongé. Pas en Louisiane. Non, pas en Louisiane. Pas en Louisiane. Je suis pas au courant. Tu viens en Louisiane? Non, je crois que tu viens pas. Je viens en Louisiane? Ben, c'est incroyable, on va voir Christophe Maé. on part à Vienne. Ouais. Ah, c'est joli. En fait, vous avez sur les réseaux sociaux, vous avez quand même beaucoup parlé de ce podcast en Grèce. Oui. Vous avez envie de voir la saison 2. Attendez 4 jours à Vienne. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire des petites choses. Et puis maintenant, on sait ce qui vous plaît, donc on peut essayer de... Heureusement, on va pas se baigner. Non, mais on peut faire d'autres choses. Et il y aura pas de bateau.
Non, quelle période il y a moyen de trouver des gens sur Mars qui chantent sur des montagnes. Mars, il y aura de la neige ou pas? Il y a moyen de se planter, je sais pas, il y a moyen. De glisser. Ouais. Elle peut nous faire. Après, tu sais, alors, elle peut nous faire une petite gastro aussi, hein. Oui, ça peut être sympa. Je suis complètement capable d'être malade. Ou une petite, mieux qu'une gastro, tu vois, une petite intoxication alimentaire qui prend bien 3 jours. Une grippe intestinale, un truc. Et qui passe 3 jours à l'hôtel. Je vais te dire. Ça me fait trop peur. Et après, on peut rater l'avion aussi. Ah oui, alors que toi, t'es pro là-dessus. Sur les retards et le ratage d'avion. Ça peut arriver. Tout est possible. Et figurez-vous que quand on cherchait un endroit où partir, Anne-Laure m'a dit qu'elle ne voulait pas plusieurs voyages pour ne pas stresser dans l'année. J'ai encore fait des air guillemets. je vous rappelle qu'en Grèce, Anne-Laure, à 6h45, quand l'avion était à 7h15, m'a proposé d'aller chez Paul pour pouvoir acheter des croissants et des choses. T'aurais pu louper l'embarquement. Mais non, on était bien, on est arrivé à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce que l'avion est en retard. Ah. Et là, elle m'a dit, tu vois, on aurait pu être tellement large. Ah oui, parce que j'avais dit, les gens qui ont du retard, ils en ont rien à foutre. Si t'arrives en retard, t'es déjà dans le bus. C'est ça. Ils auraient fermé les portes, hein. Donc, elle avait son petit truc, là, sa petite viennoise chocolat dans une main, son jus d'orange dans l'autre. Moi, j'étais en mode, je faisais des grands coups en mode, tu vas courir maintenant. Très désagréable. On partira très tôt, hein, pour la vie, pour Vienne. Il y a hors de question. À part Vienne. Et moi, je fais Rome, à Pâques. Ah. En famille. Trop bien. En famille. Que les 3 jours, vous rajoutez plus. 3 jours. 3 jours. Je vais faire peut-être l'Irlande en mai. Mais, meilleure pas... période. Pour ceux qui nous écoutent, pour l'Irlande ou l'Écosse, mai c'est leur été. N'y allez surtout pas en juillet et août, c'est l'enfer. Il pleut, c'est le mois où il pleut le plus. Mais le mai, c'est le mois où tu pourras espérer voir du soleil. Tranquille. Voilà, donc pour l'instant, à voir. J'ai une valise. J'ai une valise, c'est vrai. Une valise pour des petits week-ends. Ouais, oui, bien. Ça c'est pas c'est pour... C'est bien pour tes destinations. Là, ouais. Mais t'as pas de gros voyages de prévu, du coup. Mais non. De longs voyages. C'est vraiment un roommate de voyage chez Anne-Laure, et puis elle m'a trahi. Pourtant avec une certaine Elena, du groupe Hachette. Elena, si tu les écoutes. Je te hais, Elena. Donc non, pas de gros voyages pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Après, on est que le 14 janvier. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Détendons-nous, hein. Je me suis un petit peu excitée sur le début d'année, mais... Ouais. Bah moi, je me suis un peu excitée à cause de toi, effectivement. Tu es l'élément déclencheur de mon prochain voyage. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Marine a tweeté qu'il y avait des énormes promos sur les vols de la compagnie norvégienne. Et en disant, elle était surexcitée, hein, tu voulais aller partout. Hein. Il y avait du Boston, il y avait Los Angeles. Du coup, elle y va pas. Du coup, elle va me dire non. Arrêtez de vous moquer de moi, c'est sa faute. Moi, j'étais là à Boston, on peut aller à Boston, après on descend à New York. Mais oui. Et après, on peut faire tellement de choses. Elle m'a super bien vendu, mais c'était pas possible. Pourquoi? Tout est possible. Mais c'était pas... Non, mais pourquoi c'était pas possible? Mais des cas d'horreur, financièrement... Les cheveux, le shampoing sec... Pourquoi? Mais après, niveau vol, enfin ça coûtait pas cher, du coup. Moi, j'avais regardé, je crois. Non, mais... Ça coûte aussi cher qu'aller à Vienne que d'aller à New York. Sur ça, non? Oui, moi non. Mais ça coûte... Non, quand même. C'était vraiment pas cher, les vols. Non, mais c'est pas cher, mais c'est quand même... Ça reste quand même plus cher. Si vous écoutez, un aller-retour pour les États-Unis en ce moment, c'est à 250 euros. Il faut réserver avant le 22 janvier. Dépêchez-vous. L'épisode sera pas diffusé. C'est ça. Et si vous remontez le temps, vous pouvez réserver avant le 22 janvier. Mais il faudra peut-être d'autres promos après. Après la Super Bowl. Peut-être pas. Ah, là, c'est si peu cher parce que c'est des promos. Ah ouais, c'est une promo spéciale. J'ai pas compris. C'est dans les vols à toute l'année. Toi, tu crois que c'est comme ça tout le temps? Genre Boston, pas cher, non, 100 balles. J'ai jamais vu que c'était une promo. Du coup, Anaïs, où est-ce que tu t'envoles? Eh bien, du coup, on a regardé avec Julie, qui si tu nous écoutes aussi, mon binôme de voyage, effectivement. Nouvelle découverte de binôme de voyage. Et quand t'as trouvé quelqu'un avec qui tu voyages bien, il faut garder, hein, parce que ça c'est important. N'est-ce pas, Émilie? On est parti sur des étincelles. Vous avez mis au-delà du soleil dès le premier, donc après tu. Mais tu savais le nombre de lettres qu'on reçoit des gens qui aimeraient partir en voyage avec nous. Je vais bien vous croire. Et bah, du coup, voilà, vous m'avez donné envie et on a envisagé Boston aussi. Et après, on s'est dit en mars, il fait froid quand même, encore beaucoup, parce que c'est très proche du Canada. Donc, on s'est dit, moyen. Julie étant allée déjà plusieurs fois à Los Angeles aussi. Parce que c'est pareil, si vous réservez avant le mois de janvier, Los Angeles est à 150 oui, euros. Oui, c'est très. Bref, c'est donné. 150 euros. L'année. C'est vrai? Oui. On aurait dû aller là? Mais oui! Qu'est-ce qu'on fout à Vienne, bordel de cul?
Moi j'aurais bien voulu, tu vois, mais après, moi je vais faire les canyons, enfin je vais tout faire quand je vais là-bas, tu vois, c'est la fête. Et comme le binôme avait déjà fait tout ça, on s'est dit, on va prendre une autre destination neutre. Il n'y avait pas la Louisiane parce que j'aurais bien voulu faire la Louisiane, mais il y avait Miami. Donc on va à Miami, mais évidemment on ne reste pas à Miami, on va se faire du coup en 2 semaines un road trip dans toute la Floride. Et dans les îles du Golfe du Mexique, donc ça va être soleil, chemise à fleurs, parc à thème à Orlando, je ne sais pas encore lequel, si vous avez les conseils, entre les teams Disney World, les teams Universal. Vous partez quand déjà? Mois de mars, du 15 au 30 mars. Tu veux partir avec elle? Ah merde, bah ouais, je me suis douté que c'était dans tu le ferais à ce moment-là. Mais tu sais pourquoi tu t'es douté? Parce que tous les ans c'est la même date. Oui, ouais. Mais je ne savais plus si c'était début mars ou fin mars. Milieu. Bah voilà, je ne serais pas là. Je ne serai pas là, mais je te saluerai depuis mon bikini au bord de la... Non, je sais pas s'il fera très beau, très chaud, mais normalement oui, parce que genre là en ce moment il fait 25 degrés. Oui, ça devrait aller bien. Donc, normalement c'est la meilleure période pour y aller. Alors il faut savoir que c'est pas l'été, si, parce que c'est hors été, hors ouvrage, donc ça. Par contre, le seul truc qu'on aura, et ça va être rigolo, c'est le spring break. Oh, donc on va se taper du petit étudiant de Yale qui va être là en mode concours Arnaud. C'était un nouveau duo de voyage. Je pense qu'il y a des louses. Vous avez quand même des louses de voyage. On a des bonnes. Oui, on a des bonnes louses. On est bon. On est la team. Je pense que Anaïs va se faire emprisonner aux États-Unis pour trafic de drogue. Trafic de drogue, évidemment. Ils auront mis ça dans ma valise à Miami. Je serais devenue nulle. Si vous avez la valise Away qui se ferme par un système malin de cadenas automatique, personne ne peut mettre quoi que ce soit dans votre valise. C'est vrai. Mais c'est ça que c'est mon angoisse. Hein. Chaque fois que je voyage à l'étranger, il y a certains pays où je me suis dit, quand je suis allée en Thaïlande, quand je suis allée, je sais plus où c'était aussi, j'avais flippé, surtout pour la Thaïlande, parce que je savais que ça arrivait souvent, où parfois il y avait de la drogue, quoi. C'est quand même un petit peu une plaque assez importante, tournante de cette substance. Donc voilà. Mais donc c'est mon premier, c'est mon, je pense c'est que ce sera mon gros voyage de 2019. Sachant que c'est pas cher quand même, mais après les logements et tout ça va être beaucoup plus cher. Donc qu'elles sont voiture, ça reste un gros voyage. Donc elles sont, ouais, parce que c'est un road trip, donc on va quand même dépenser pas mal en voiture et tout. Mais donc je pense que ce sera mon gros voyage de l'année, mais par contre après je sais que j'ai aussi une box où il faut que je fasse en Europe et je pense que je ferai Prague. J'ai hésité entre Prague et Vienne, mais j'ai pas fait Prague encore. Donc, j'ai très envie de faire les 3 jours à Prague. Au moins je paye pas l'hôtel. Donc après ce sera assez rentable, je pense. Et puis après on verra pour cet été et tout, je sais pas. Ouais. Pas du tout. Et toi Hélène? Pour l'instant j'ai pas de gros trucs de calé. J'ai 2 week-ends à Genève en février et à Londres. Les fameux cadeaux de Noël offerts aux parents, en famille, en avril. Juste pour la sortie de Game of Thrones. Je viens de la prendre, du coup. Et il va falloir que je trouve un truc. C'est avec tes parents, c'est compliqué, toi. Ouais, c'est pas facile. Ils vont pas regarder Game of Thrones, mais ils vont pas le regarder en anglais. Bah, ils suivent, ils sont à jour et tout, mais c'est compliqué. Mon frère, je suis pas sûre. Ma sœur suit, c'est sûr. Mais ouais, non, là, c'est très, très compliqué. Mais du coup, pour l'instant, pas de grosses vacances. Ouais, ce qui se passe, c'est que... Ouais, énormément d'envie. C'est moi qui ai organisé les dernières, mais vraiment tout de A à Z. Et du coup, avec mon copain, on s'était dit que du coup, c'était lui qui organisait les prochaines. Oh putain. Et Couscous parti. Et je vais peut-être reprendre la main. Non mais c'est sûr, tu vas attendre trop longtemps. Ouais, j'ai des envies de Corée, beaucoup. En ce moment. Ah ouais, grave, moi aussi. Ouais. La Corée du Sud, ça me donne trop envie. Hein. J'ai très envie de retourner au Japon, mais j'y suis allée il y a 3 ans, quoi. C'est pas très loin. Du coup, je me dis la Corée. Ça sera un espèce de beau compromis et ça m'attire. C'est vrai que depuis mon retour du Japon aussi, j'ai eu beaucoup envie d'aller voir Séoul. J'ai toujours en tête mon road trip aux US. Les US très tendance en 2019. Ouais. Donc du coup la traversée, le Canada. Elle est très longue la traversée. Hein. Oui, ça. Ouais, bah, 3 semaines. Faut prendre. Ah oui, mais pareil, en voyant large, avec la trans canadienne. Ah oui. Pareil, c'est 3 semaines à 1 mois. Canada, j'ai trop envie aussi. En fait, j'ai des envies de trucs un peu longs. Ouais, c'est très bien. En Océanie, c'est pareil, à chaque fois je me dis, c'est 3 semaines. Et après, j'ai aussi 2 envies de croisière. Ah ouais. De croisière? Ouais. T'as vu ceux qui ont été malades, tiens, en parlant de gastro? Incroyable. Il y a un paquebot, le plus gros paquebot du monde, 500 personnes malades en après, même temps. Après, je veux pas la queue toilette. Ah, l'horreur. Non, je vais la faire quoi? La croisière plus niveau, le Nil. Alors, il y a toujours moyen que tu te fasses exploser. Ouais, il y a quelques bus. Mais moins en croisière, quand même. C'est parce que pour les étapes, quand tu descends, ils sont pas. Il y a des prix très intéressants. Parce que les gens ont du mal à y retourner. Mais il y a des prix très intéressants. Et après, l'autre, c'est sur le Mekong, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais ouais, non, ça reste le truc. Mais du coup, à la Corée, en priorité, là. Ça, j'ai...
C'est ça, tu vois, c'est ouais. Ouais. La plus grosse envie. Bah, en fait, tu m'en rends compte, presque envie d'aller partout. J'ai fait le Kenya. Sauf en Inde. Moi, j'ai toujours pas envie d'aller en Inde. Ouais, en Inde, ça me stoppe aussi pas mal. Je sais que je pense que j'aimerais pas. Hygiéniquement, moi, ça me plaît pas. Oui, puis le monde, moi, surtout, ça me. L'Inde, ouais, non. Ma soeur va faire l'Inde là et je suis pas. Moi, je suis pas chaud, tu vois. Après, tu vois, elle a du monde sur place. T'as du manugel, peut-être. Oui, si tu vas avec quelqu'un de local qui connaissent sur place. Ouais, riche alors. Non mais et puis ça change si t'es une fille ou un mec. Enfin pour le coup ta sœur ça change pas, mais effectivement les mecs ils le vivent un petit peu mieux que les filles quand elles vont en Inde quoi. Moi j'ai eu des témoignages de potes, elles sont allées toutes seules, elles sont un petit peu mal vécues les agressions physiques des messieurs qui te touchent. Mais c'est vrai que dans un pays comme la Corée ça m'irait bien parce que c'est comme le Japon, t'es resté calme, enfin tu te sens en sécurité. Et... la bouffe, culturellement je pense ça me donne trop envie aussi là quoi. Mais je voulais faire aussi beaucoup l'Indonésie, la Malaisie et tout, mais en ce moment les pauvres ils se prennent tsunami tsunami et sur. C'est ce que je me dis, en Corée t'es pas trop dans les tsunamis, normalement t'es safe. Ouais. Je trouve que même au Japon en ce moment ça me fait un peu peur. T'as beaucoup maintenant de typhons et de tremblements de terre. T'as pas envie d'être le touriste dont on parle à la télé parce que t'es le seul mort là. Ouais. Comme l'espagnol. Ce serait un petit peu ton succès, hein. Ouais, la pauvre espagnole, ça c'est horrible. C'est trop de peine. À Paris? Ouais. C'est con, cool, ouais. Tu vas à Paris, c'est exposé par une boulangerie. Dit comme ça, mort parisienne. C'est une mort très parisienne. T'as passion pour les baguettes. C'est la French touch. Oh mon dieu, c'est vrai. Donc ouais, non, en voyage, ça sera ça. Peut-être. Et on n'a pas d'autres projets en dehors de... Si, déménagement. Bah moi, déménagement, j'espère. Ouais. Changement de région en 2019. Ça y est. Toi aussi, déménagement, Hélène, non? Peut-être, ouais. Faut que je mette en route mon appart. J'ai peur d'aller... Tu peux pas mettre en sur Moody's, là? Je sais pas quoi. Non, Vinted. Sur Vinted. Non, mais sur je me dis... En vrai, je pense que je vais faire la feignasse. C'est-à-dire que je vais aller voir l'agence qui m'a vendu l'appart il y a 9 ans. Ah oui. Ils te disent, ouais, 10 ans, bientôt. Et je vais leur dire, bah voilà, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Reprenez-le, j'en veux plus. Et ouais, non, je pense que ça va être ça. Et puis après, du courtier pour acheter un truc, machin. Mm. Mais du coup, bah potentiellement, déménagement, moins d'argent, moins de voyage. Mais c'est pour ça que moi j'ai pris en début d'année, là, je me suis dit, je ne sais pas où je serai, ni au mois d'août, ni en fin d'année, ni quoi que ce soit. Donc au moins, je me planifie ça. Après, je retournerai peut-être en Allemagne en août pour le salon de jeux vidéo. Le salon de la bière. Gamescom à Cologne. Mais tu vois, ça fait à l'étranger, mais bon, c'est pas très touristique, quoi. Alors, quand même, alors, son rêve de l'année, c'est d'aller à Cannes pour faire des jeux de société, quoi. Ouais. Bah ouais, ça serait bien. L'an prochain, je pense peut-être me tenter Angoulême, tu vois. C'est mon premier voyage de 2010. C'est vrai. C'est le premier endroit où j'amènerai Julie. C'est quand? Mais tu vas pour le travail? Oui. C'est le 24 janvier. Ah oui, c'est là. C'est juste ça. On va pouvoir se balader dans les... Je me dis que ça, niveau moment de l'année, en fait, ça tombe plutôt bien. Mm. Fin janvier, comme ça, c'est cool. Mm. Après, moi qui suis pas allée, qui sais pas trop lire, je sais pas si... Heureusement qu'il y aura des images. Ma fille, elle va connaître rien du tout. Ah oui, cette BD-là. Mm-hmm. Tu t'es renseignée un peu sur qui va et tag. Alors t'achètes des BD sur place pour les faire dédicacer. Après, tu les offres. Mais j'y vais pour travailler, madame. Ah, ça va. De Astérix, on va faire un time lapse. Je veux dire, les gars, on va pas bouger. 6 heures avec un téléphone comme ça. Heureusement, j'avais ma batterie qui charge. Enfin, ma valise. Ah, voilà. Et ma petite blague de fin de podcast, si vous voulez. Ouais. Je sais pas si c'est la fin, c'est une bonne vanne quand même. Car Angoulême, je vais partager la chambre avec mon N-2. Et je trouve ça très dur pour lui. Il a pas le choix, le pauvre. Oh, c'est Croco. C'est un garçon? Non. Ah. Croco. C'est un garçon qui s'appelle Jonathan. Jonathan, si tu n'écoutes pas ce podcast parce que tu ne sais pas que je podcast, on en parlera peut-être dans le train pour aller à Angoulême. Et en fait, la seule solution, parce que tous les logements sont bookés à Angoulême très tôt, c'était qu'on partage une chambre. Mais heureusement, nous avons deux lits simples. Ouais. Mais on va quand même... C'est ce que tu crois. Ouais, parce que parfois, t'as des mauvaises surprises à la salle. Ils vont se tromper, mais on va quand même devoir partager notre tête au réveil. Ah, c'est dur. La salle de bain et les toilettes. Ah, ça c'est dur. Combien de nuits? Une nuit. Mais par exemple, s'il doit faire caca le dimanche matin, je pense que je crois que votre relation sera soudée. Qu'il aille dehors, tu vois, dans le neige, je sais pas où il veut. Il y a peut-être des toilettes au stand, sur le palier. À la réception, tu vois, qu'il aille dehors. Quand tu vas au petit-déj, tu fais « je vais au petit-déj ». Et aussi, s'il m'écoute, ne me parle pas le matin. Et au petit-déj, c'est encore trop tôt pour qu'on se parle. Plus tard, quand il sera à midi, on peut commencer à reprendre la discussion. Ça va être sympa. Ben, on a hâte de voir le mois prochain, C'est clair. Du coup, le mois prochain, on reprendra un rythme normal avec des podcasts. Oui, parce qu'on n'a pas été très régulière. Si faisons le bilan de cette année, On a commencé en quoi? En avril, En mars. On a changé de format en septembre. On a changé, ouais. On n'a pas trop tenu sur la fin d'année, mais. Après, c'était du spécial. La fin d'année. Ouais, c'était bien, spécial Noël.
Prochaine fois, on fera un spécial téléachat. Moi, ça me plaît. J'ai vu un truc hier au téléachat où tu peux enlever les poils de chat, mais après automatique. C'est un super. Mais ça, non, mais moi, faut pas que je me lance là-dedans. J'ai pas cher. Il y a des litières auto-nettoyantes aussi. Ah oui, ouais. Internet, possible. Mais voilà. Après, si vous avez des suggestions sur notre podcast, des envies de changement en 2019, faites-nous des suggestions et on verra si on vous écoute. C'est pas sûr. On verra si on les met en place. Hélène proposait un podcast, c'est arrivé près de chez Cacanou. Non, le Cacamou. Il y avait le Cacacast. Le Cacacast. Et c'est arrivé dans le Cacacast. Mais c'est arrivé dans le Cacacast, pas beau, c'est trop. Je préfère le Cacacast. Le Cacacast, c'est incroyable. Est-ce que vous voulez qu'on parle de caca et de transit et si l'unanimité parle, et ben Marine, t'auras pas le choix et on sera obligé de parler caca. On fera un podcast du transit. Et de colon. Franchement, le podcast du transit, c'est pas mal. Ah, le transit. Ouais, tu appelles ça. Ça fait un peu le transit. Non, mais c'est un peu le transistor, tu vois, ça fait un peu radiophonique. Ouais, j'aime bien. Le transit, le podcast du colon. Du caca. Colon cast. Bon, voilà. On cherche. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. On vous écoute. Qui vote pour le caca? On va faire un sondage Facebook. Caca, pas caca. Puis on verra. C'est ça la majorité aussi. C'est ça. Après, tu vois, on peut faire un gros sujet tous les mois. Et on se dit un gros sujet. On fait un gros caca tous les mois. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on serait un peu à poil tous les mois. On peut faire un... Tu sais, une fois que t'auras partagé ta chambre avec ton collègue, là, tu seras prête à tout, hein. Franchement... Si je ronfle la nuit. Bah oui. Tu ronfles? Bah oui, elle ronfle. Bah oui. Alors, ça dépend, des fois. Des fois, je ronfle pas. Des fois, c'est Anne-Laure qui ronfle. Des fois, c'est Anne-Laure. Moi, je ronfle pas. À quel moment? On va dire ça. Mais vous rendez pas compte toutes ces choses. Ouais, j'avoue. La nuit, il se passe des choses dans mon corps. S'il est à côté et qu'il entend et que lendemain, il raconte tout. Au travail, c'est vrai. Quelle honte. Quelle gênance. Je vais pas dormir la nuit, je vous le dis. Je vais avoir les grands ouverts, on ne dort pas. Tu vas le fixer en plus. Est-ce qu'il me regarde pendant que je dors? C'est lui, il est bizarre quand il dort. Ouais, mais peut-être. Hein. Parce qu'il est... Peut-être qu'il est comme Anaïs qui respire. Ah non, je crois qu'il ne bouge pas. Ah non, mon dieu. Je vais croire qu'il est mort, je vais aller le voir. C'est ça. Il sera là, harcèlement sexuel. C'est qu'Anaïs avait très peur. Prud'homme. Oui, mais je ne fais pas de bruit. Si je me marre parfois la nuit, tu avais subi des fous rires nocturnes. Ouais, c'était très bizarre. Mais je suis sympa, moi, la nuit, écoute. Je me marre bien dans les rêves. Voilà, je profite. Sinon, je meurs. Je meurs tous les soirs. Je suis un vampire, c'est ma façon de me régénérer. Je ne bouge pas. J'ai rien à ajouter à ça. Bah non, je pense qu'on peut arrêter sur le cacast. Et bien, on arrêtera là. On arrêtera là. Wow. Et peut-être qu'on reviendra avec du caca. Ouais. Peut-être un petit gâteau au chocolat. Et encore une fois, bonne année, hein. On a le droit jusqu'à la fin du mois.